bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on passe sur la version 4.48.0 des Simpsons Springfield. Alors j'ai repris une partie totalement à zéro pour vous expliquer, pour vous montrer étape par étape comment fonctionne le mode. Tout simplement là, en fonction du générique, il va y avoir une partie qui va se lancer et je vais tout vous expliquer en facecam. I spent $1,000? Oh well, I'll just tell them it's my kid did that. Uh-oh. Dans cette partie, il va y avoir plusieurs coupures et pourquoi, je vous explique tout simplement pour éviter les pubs. Le mode est disponible tout simplement sur Happy Mode. Vous allez retrouver la version 4.48.0 disponible sur Happy Mode que vous retrouverez dans le lien dans la description, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, vous viendrez et je vous ferai du mode. Alors le mode est disponible uniquement et principalement pour les Android. Il y a des personnes qui utilisent avec Panda Helper le mode en question sur les iPhones, mais malheureusement, beaucoup d'iPhones se sont fait bloquer à cause de ce mode. Et pour ça que j'insiste sur le fait de me rejoindre sur la communauté Snap, tout simplement pour donner un coup de main. Voilà, alors dans ce mode, tout simplement, vous allez apercevoir à plusieurs endroits différents un petit livret où je clique dessus. Ça nous permet d'avoir des boîtes de donuts en illimité. Et pourquoi je dis donuts en illimité? C'est tout simplement parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses à acquérir dès le début de la partie qui ne sont pas forcément obligatoire bien sûr, mais on peut les avoir. On peut les avoir et c'est un plus parce que dans l'émission, au fur et à mesure du jeu, vous allez en avoir besoin. Donc, le fait de les acquérir rapidement, ça vous donne un avantage que peu de personnes ont, notamment dans ce jeu. Sachant que beaucoup de personnes utilisent ce mode, il y a des possibilités de transfert de données. Alors, je vais m'expliquer sur le transfert de données. C'est tout simplement que vous allez récupérer le mode sur votre propre compte. Et pour cela, il vous suffit tout simplement de se connecter au jeu avec EA Games, non pas Facebook, ni pas Google ou quoi que ce soit, parce que Google ne fonctionne pas pour les modes. Et EA Games, vous le trouverez en bas à gauche de votre écran. Quand vous allez arriver sur la fiche d'accueil, vous allez cliquer dessus, vous allez vous connecter. Évidemment, quand je parle de connexion, je parle surtout et en grosse partie de votre login et votre mot de passe. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Il y en a qui essaient de se connecter avec plusieurs façons différentes, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Sachez une chose, c'est que le compte EA Games est relié, en fait c'est uniquement un cloud, c'est ce qui va vous permettre de sauvegarder votre partie et tout simplement vous allez pouvoir garder et les donuts et l'argent et tous les bâtiments et les personnages et tout ce que vous aurez récupéré dans ce mode. Donc vous pourrez très bien vous reconnecter sur votre version originale sans aucun problème. Bien évidemment, n'oubliez pas votre mot de passe et faites attention parce que dans le mot de passe il vous suffit d'une lettre et c'est terminé, vous l'avez perdu. Donc avec votre adresse mail, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de mettre une adresse mail de récupération et de joindre également votre numéro de téléphone. Ça vous permettra vraiment de pouvoir le récupérer. J'ai eu le même problème et moi personnellement, j'ai perdu ma partie. De ce fait, cette nouvelle partie est uniquement une partie de présentation pour vous expliquer le 4.48.0. Il y aura plusieurs modes, il y aura plusieurs jeux, il y aura plusieurs vidéos à ce sujet. Je compte vraiment sur vous pour me rejoindre sur Snap. Sur ce, je vous laisse sur le gameplay. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.